Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant dans Philippiens chapitre 2. Nous parlons de l'obéissance. Alors il faut obéir. Amen. Il faut prier pour la Centrafrique. Il faut obéir. Amen. Voilà. Il faut obéir. L'autre dimanche, j'ai parlé de la puissance de l'obéissance. Ensuite, mon deuxième message, pendant le mois là, j'ai parlé des bénéfices de l'obéissance. Et aujourd'hui, je veux parler de l'obéissance comme un facteur indispensable pour notre maintien dans l'établissement. Un facteur indispensable pour notre maintien dans l'établissement. Nous sommes tout à fait à la fin de l'année et cette année a été l'année de notre établissement divin. Donc, tu dois être établi ou tu es déjà établi. Je crois que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous sont comme moi déjà établis dans bien de domaines. Dans bien de domaines. Le Seigneur même est allé au-delà de ce que moi j'espérais, au-delà de ce que moi je planifiais, au-delà de ce que moi je lui demandais. Je ne sais pas, qu'en est-il pour toi? Demande à ton voisin, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi durant l'année? Parce que moi, ce que le Seigneur a fait pour moi durant cette année est au-delà de mon espérance et au-delà de mes attentes. Il y a des choses que Dieu a fait pour moi, je ne pouvais jamais imaginer ça. Je n'avais jamais programmé ça. Dieu m'a établi dans bien de domaines. Dans bien de domaines. Cette organisation qui m'a amené en Centrafrique, nous l'avons intégré le Sénégal juste l'année passée, un ministère qui travaille de manière à gagner, à conquérir la nouvelle génération pour Jésus. Un grand mouvement mondial créé par Bob. Bob est un missionnaire des assemblées de Dieu. Il est âgé de plus de 80 ans. Et il nous raconte que c'est à l'âge de 7 ans qu'il a commencé à prêcher l'évangile. À l'âge de 7 ans, pendant un culte de famille, alors son père et sa mère lui ont demandé d'apporter la parole. Quand il a ouvert la Bible et qu'il a commencé à prêcher, son père, ses parents étaient tellement touchés qu'à la fin du culte personnel, culte de famille du moins, ils ont appelé leur pasteur pour leur informer de ce qui venait de se passer dans leur famille. Comment Dieu pouvait utiliser leur enfant, leur fils, pour leur dire de ces vérités, de ces révélations, alors très profondes. Alors le pasteur l'a programmé à l'église. Quand le petit Bob de 7 ans a prêché à l'église, toute l'église pleurait. L'église fait un grand programme d'évangélisation, avec des posters dans la ville, grande campagne d'évangélisation, orateur international, orateur principal, petit Bob, avec sa photo. Les curieux sont venus parce qu'un enfant, comment un enfant peut prêcher l'évangile? Les gens n'avaient jamais vu ça encore aux États-Unis. Et c'est comme ça que petit Bob a prêché l'évangile. Beaucoup, des milliers de gens se sont donnés au Seigneur. Son histoire a commencé comme ça avec Dieu. Alors il a conclu que n'importe qui, que tu sois enfant, jeune, homme, femme, grand, petit, pauvre, riche, pour servir Dieu et pour être utilisé par Dieu pour gagner des âmes et sauver le monde, sauver la nouvelle génération. Alléluia. Nous travaillons pour que, eh bien, au niveau de l'Afrique, ce mouvement puisse connaître un succès éclatant. Alors, nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Nous commençons la lecture. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'aime Paul. Il est christocentrique. J'aime Paul. Il aime. Il amène les gens vers Jésus. Il oriente les gens vers Jésus. Il n'oriente pas les gens vers lui-même ou vers la religion. Mais il les oriente vers Jésus. Il les recommande fortement ici, aux Philippiens, d'avoir les sentiments qui étaient en qui?
en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ça ne l'intéressait pas. Il ne prêchait pas ou il n'avait pas la mentalité que certains ont aujourd'hui de dire qu'ils sont Dieu. Une fois quelqu'un m'a dit ça. Il dit, je ne suis pas Dieu. Vous savez, le diable est devenu, Lucifer est devenu Satan parce qu'il voulait être Dieu. Et c'est comme ça qu'il a induit Adam et Ève en erreur. Je sais que le jour où vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors vous ferez comme lui. C'est pourquoi quand j'entends certains prédicateurs dire aujourd'hui, vous êtes des dieux, utilisant des paroles dont ils tordent le sens. J'ai peur. Je ne sais pas si vous ressentez la même peur que moi lorsque vous les écoutez dire que vous êtes des dieux. Demande à ton voisin là s'il est Dieu ou s'il est homme. Il faut lui demander. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui disent que vous êtes des dieux. C'est une grande séduction. Une grande séduction. Satan a voulu être Dieu, il a été chassé. Il a poussé Adam et Ève à vouloir être comme Dieu, ils ont été chassés du jardin. Et toi, tu veux être Dieu. On te dit, tu es Dieu, tu dis, oui, je suis Dieu. Tu es homme. Voilà ce que tu es. Mais un homme rempli de Dieu. Rempli de la vie de Dieu. Oui, un homme qui a les sentiments de Jésus. Verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme conforme, une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Lui qui est Dieu-même, il descend vers nous. Et ayant paru comme un simple homme, voilà comment Jésus est apparu au milieu de nous, comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, soulignez obéissant ici. Parce que nous sommes dans le mois de l'obéissance et c'est l'obéissance ici qui m'intéresse. Et ce que Jésus a fait, c'est rendu obéissant. Obéissant. Il a dit tout disciple accompli est comme son maître. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même quand l'obéissance doit le conduire à la mort, il est obéissant. Il n'obéit pas seulement lorsque l'obéissance doit le conduire au mariage. Il n'obéit pas lorsque l'obéissance doit le conduire au travail, au boulot. Lorsque l'obéissance doit te conduire à avoir beaucoup d'argent. Non, c'est facile à obéir. Quand tu sais que tu vas gagner beaucoup d'argent. Quand tu sais que tu vas voyager. Quand tu sais que tu vas te marier. Quand tu sais que oui, tu vas gagner quelque chose. C'est facile d'obéir. Mais qu'en est-il quand tu sais que la mort t'attend? Comme il en était le cas pour Jésus. La mort est devant. La croix est devant. Golgotha est devant, Gethsemane est devant, les moqueries sont devant, la souffrance est devant, la persécution est devant, la faim est devant, la soif est dedans. Oui, qu'en est-il? Êtes-vous capable d'obéir? Êtes-vous capable d'obéir? Si vous êtes capable d'obéir, malgré tout, vous êtes disciple de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois être capable d'obéir, malgré tout. Parce que tu es disciple de Jésus. Mais si vous n'êtes pas capable d'obéir, parce que ça fait mal, parce que c'est difficile, parce que c'est terrible, parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a la faim, parce qu'il y a le manque, vous n'êtes pas capable d'obéir. Parce que vous vous sentez faible, vous n'êtes pas disciple de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'a pas obéi parce que tout allait bien. Parce qu'il pouvait se remplir ses poches. Non. Il a obéi. Même quand la mort était devant lui. Il a obéi. Il était obéissant. Même quand Golgotha était devant lui. Le lieu de calvaire. Le lieu des souffrances atroces. Jésus a dit, quiconque va venir à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Et qui marche après moi. Êtes-vous capable d'obéir quand tout va mal? Quand il n'y a rien à manger à la maison? Êtes-vous capable d'obéir? De prier? Êtes-vous capable d'aller à l'église?
de marcher de l'université jusqu'à Dakar parce que c'est le culte et tu as fait un engagement, même il n'y a même pas 100 francs pour prendre le car, le Ndjaganjai, mais êtes-vous capable de marcher? Comme Jésus qui pouvait marcher, travailler, traversant le jardin de Gethsemane, montagne, grimpant cette montagne, cette colline, portant sa croix, tombant avec elle. Son corps brisé, 40 coups maison, sa barbe arrachée, ses cheveux arrachés, sur sa tête une épine, une couronne d'épines. Mais il montait, il allait en avant parce que son père voulait qu'il accomplisse cette mission. Et lui, en tant que fils de son père, devait être armé d'obéissance. L'arme de Jésus était l'obéissance. Mon père m'a dit, je ne peux pas faire autrement. La volonté de mon père est que je meure. Je ne peux pas faire autrement. Quelle que soit la manière dont je dois mourir, je rappelle ici qu'il est mort de la manière la plus atroce. La plus atroce. La mort la plus humiliante. Nu, il a été crucifié. Et vous savez, à côté des chemins, à la croisée des chemins, derrière la ville nous dit, tous passaient là et l'injuriaient, se moquaient de lui. Il était là, armé de l'obéissance. Est-ce que ce matin Dieu, Jésus, pour avoir un digne représentant dans cette église, dans ce monde, un digne représentant, quelqu'un qui sort ici armé de l'obéissance. Encore une fois de plus, quand tout va bien, il est facile d'obéir. Mais qu'en est-il lorsque ça ne va pas? Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est là où Paul indique le genre de mort. C'était pas une mort simple. Non. Mais une mort atroce. Verset 9. C'est pourquoi, malheureusement, beaucoup aiment. Eh bien, ils n'aiment pas du verset 5 au verset 8. Beaucoup n'aiment pas cette partie. Et tu ne peux jamais vivre ce qui est dit à partir du verset 9 jusqu'au verset 11 si tu n'es pas prêt à vivre ce qui est dit du verset 5 au verset 8. Regardez bien. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Il ne serait-ce qu'à cause de ce qui est dit à partir du verset 9. Je veux encourager quelqu'un à s'armer l'obéissance. Je vous ai dit que l'obéissance est un facteur indispensable pour se maintenir dans l'établissement divin. Tu es déjà établi. Gloire à Dieu, c'est très bon. Mais si tu ne t'armes pas d'obéissance, eh bien tu ne te maintiendras pas là dans l'établissement. Ce qui va te maintenir dans l'établissement, ce qui va te maintenir établi, ce qui va te maintenir dans cette position, ce qui va te maintenir à ce niveau où tu es arrivé, où Dieu t'a amené, c'est ton obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton obéissance. Que l'obéissance va te maintenir là, que les gens le veuillent ou pas. L'obéissance va te maintenir là. Parce que tu es obéissant à Dieu. Il peut y avoir une crise économique. Ta société peut tomber en faillite. Mais Dieu va te maintenir à ce niveau-là. Parce que tu es encore obéissant. Oui. C'est ce que le Seigneur m'a chargé de vous dire ce matin. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin qu'il va t'élever de manière souveraine. Il va t'élever souverainement. Alléluia. La souveraineté de Dieu
fait référence à sa toute-puissance. En fait, à son omnipotence. C'est pourquoi, regardez la vie de Joseph. Il a vécu du verset 5. Il a vécu le verset 5 au verset 8. Joseph, il a connu l'humiliation. Il a connu les accusations. Il n'a rien fait, mais on l'accuse d'avoir tout fait. On le jette en prison. Il a connu, il a vécu ou il a emprunté la route du chapitre du verset 5 au verset 8. Joseph a emprunté son chemin, le chemin de la croix. Même étant dans l'Ancien Testament, Daniel a emprunté ce chemin. Ce chemin devait passer par la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego ont emprunté ce chemin qui devait passer par la fournaise ardente. Alléluia. Mais Dieu les a sortis de manière souveraine, sans même qu'ils ne portent l'odeur du feu. Ce Dieu m'envoie vous parler ce matin. Et il me dit qu'il va vous élever souverainement. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Vous savez, quand Dieu vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Plus on cherche à vous rabaisser, plus vous montez encore plus haut. Oui, quand c'est Dieu, soyez sereins. Que les ennemis se multiplient au service. Qu'ils fassent des coups bas. Des combines. Des accusations. Qu'ils vous tendent des pièges. Si Dieu décide de vous élever et de vous maintenir là, parce que vous lui êtes obéissant, personne ne peut vous rabaisser. Personne ne peut vous rabaisser. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné, deuxièmement, premièrement, c'est l'élévation. Comme bénéfice de l'obéissance. Lorsque nous acceptons de traverser ou de passer par le chemin par lequel lui, Jésus, il est passé. Le chemin par lequel Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Joseph, et j'en passe, Élie, sont passés. Dieu décide premièrement de vous élever. Et personne n'y peut quelque chose. Personne. Il ne demande même pas l'autorisation de qui que ce soit pour vous élever. Il ne demandera l'autorisation de personne pour vous élever. Ni le conseil de personne pour vous élever. Il vous élèvera de la plus grande manière, de la plus belle manière. Souverainement. Ce qui est arrivé à Jésus vous arrivera. Donc tu n'as pas dit amen. Ce qui est arrivé à Jésus vous arrivera. Il a été souverainement élevé. Tu seras souverainement élevé. Et tes ennemis seront en bas. Et toi tu seras en haut. Ils seront derrière. Et toi tu seras devant. Ils seront toujours en bas. Et toi tu seras toujours en haut. Et parce que tu es obéissant, l'obéissance te maintiendra au-dessus de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, l'obéissance me maintiendra au-dessus de mes ennemis. L'obéissance me maintiendra au-dessus de mes adversaires. L'obéissance te maintient au-dessus de tes accusateurs. Où sont ceux qui t'accusaient, madame? Où sont ceux qui t'accusaient, madame? Où sont-ils? Jésus n'a-t-il pas posé cette question à une femme comme toi? Est-ce qu'une femme m'entend ce matin? Une femme à qui on a beaucoup accusé. Tu as vécu beaucoup d'accusations. Tu n'as rien fait, on a dit, tu as tout fait. Jésus a dit,
où sont, madame, ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Ceux qui t'accusaient, ceux qui t'insultaient, ceux qui se moquaient de toi, ceux qui voulaient te tuer, ceux qui voulaient se débarrasser de toi. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont les pierres qu'elles avaient dans la main, qu'ils avaient dans la main? Où sont ces pierres? Je pouvais entendre ces pierres tomber les unes après les autres. Les pierres tombaient. Chacun avait une pierre pour te lapider. Chacun avait une pierre pour te tuer. Mais quand Jésus a parlé et qu'il s'est penché à terre et il a commencé à écrire, chacun les pierres pouvait, je pouvais, comme la musique, comme si la chorale jouait la musique, je pouvais entendre les pierres là tomber les unes après les autres. Ce matin, même pendant que je vous parle là, je sens, j'entends le bruit de la pierre. J'entends le bruit des pierres. Est-ce que quelqu'un entend le bruit de pierre comme moi? Est-ce que quelqu'un de manière prophétique peut entendre le bruit des pierres qui tombent des mains de tes accusateurs? Le premier en chef, Satan. Premier accusateur en chef. Gradé en accusation. Diplômé dans la plus grande université d'accusation. C'est lui et ses agents et vos adversaires et tous ceux qui sont jaloux de vous. Tous ceux qui ne voulaient pas vous voir à ce niveau, à cette position. Mais malgré tout, vous vous maintiendrez là. Alléluia. Dieu m'a chargé de prophétiser ce matin sur vous. Que le temps arrive parce qu'il a vu vos accusations. Il a vu vos souffrances. Il a vu vos larmes. Vous n'avez pas eu peur de passer par le chemin des accusations. Vous avez compris que c'est votre croix. Vous n'avez pas eu peur de passer par le chemin des humiliations. Vous avez compris que vous devez représenter dignement votre maître Jésus-Christ et votre Seigneur, votre Sauveur et votre maître. Vous n'avez pas eu peur d'être insulté parce que vous avez compris qu'il a été insulté et tout disciple accompli est comme son maître. Parce que vous n'avez pas eu peur, parce que vous n'avez pas fui les accusations, vous n'avez pas fui les moqueries, oui, les insultes. Vous avez été obéissant. Dieu me dit de vous dire qu'il vous élève. Que la saison est arrivée pour lui de vous élever. Et même s'il reste 2 semaines ou 1 semaine pour la fin de l'année, Dieu dit c'est déjà beaucoup. S'il y a encore un reste, je vais l'établir. Le 31 décembre, je veux 100% d'établissement dans cette église de Bethel. Même ceux qui viennent de nous rejoindre, entrez dans la danse. Parce que Dieu est en train d'accélérer la cadence. Oui. L'établissement est en train d'être accéléré. Jésus a été tenu debout. Il a crié à la foule. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Venez à la saison, au temps de l'établissement divin. Et maintenez-vous là. Par l'arme de l'obéissance. Deuxième chose, il vous donne un nom. Quelqu'un est-il là, tu n'as pas de nom. Le nom de ta famille ne dit rien à personne. Quand tu le dis ici, même ça ne nous dit rien. Pourtant, il y a des noms quand vous le dites ici. Et de loin même, on connaît. Quand tu dis Bongo, les gens dans le monde entier, ils savent. Hein? Mais quand tu dis Akopa Poko, il y a des noms comme ça. Hein? On ne sait même pas de quoi vous parlez. Mais Dieu me charge de vous annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, l'évangile est une bonne nouvelle. J'aime l'évangile parce que l'évangile n'annonce pas des malheurs sans solution. L'évangile annonce une bonne nouvelle. Et même quand il arrive que l'évangile annonce un malheur, et l'évangile te donne toujours la solution. Alléluia. Une porte de sortie pour que ce malheur ne t'arrive pas. L'évangile te donne la solution. Oui. Dieu te donne un nom. Écoutez bien, pas n'importe quel nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Des gens de ta génération. Dieu te donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia.
Parce que c'est ce qu'il a fait de Jésus. Il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand on dit votre nom, vous savez, il y a des milieux quand vous dites pasteur Félix, les gens tremblent. Les démons tremblent. Vous savez pourquoi les démons tremblent? Parce que c'est des démons que j'ai traumatisés. Mon ministère les a traumatisés. Même ici à Dieupol, mon nom là, dans toutes les maisons, on a amené mon nom. Là, on cherchait à casser cette église là. Ah oui, vous qui venez d'arriver, vous n'êtes pas au courant de ça. On a vécu des temps difficiles ici. Hein? L'église va disparaître. Non, le pasteur là, il va mourir. Mais une fois, on a trouvé des gris-gris devant l'église. Mais qu'est-ce que gris-gris pour nous faire? Les gris-gris, ils ont sali la devanture de notre maison pour rien, de l'église pour rien. Hein? J'étais l'ennemi numéro un ici. Parce que l'église doit partir. L'église doit disparaître. Faut pas qu'ils terminent la construction. On n'a pas terminé. Ils ont tout fait. Faut pas qu'ils terminent. Ils n'auront pas les moyens de terminer. Il tombe beaucoup de pluie. Ils nous ont appelés de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que nous n'existons pas encore? Aujourd'hui et encore, on est établi et pour de bon. Et Bethel est cette église qui se maintient dans l'établissement divin. Je le proclame. À jamais, cette église se maintiendra. Maintiendra le leadership qu'elle a. Le leadership, la position qu'elle a. Elle va la garder. Parce que l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au Saint-Esprit, l'obéissance dans la vie est une partie intégrante de notre vie. Nous demeurons une église obéissante à Dieu. Quand Dieu nous dit, allez à gauche, nous allons à gauche. Allez à droite, nous allons à droite. Allez en bas, nous allons en bas. Partout où Dieu nous demande d'y aller, nous y allions. Partout, tout ce que Dieu nous demande de faire, nous le ferons. Bethel n'est pas une église dirigée par des lois, des hommes, des principes. On a des programmes. Et le programme là, on ne le suit pas à la lettre. La lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. Moi, je n'aime pas quand les gens viennent. Non, pasteur, on a dit ça. On a décidé ça. Hey! Il a plu à Dieu et au Saint-Esprit. J'aime quand les chrétiens tiennent ce langage-là. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas, nous avions envisagé un voyage. Il dit, le Saint-Esprit nous a empêchés. Ah, je prie que le Saint-Esprit t'empêche d'aller dans certains endroits. Au nom de Jésus. Et que toi, tu obéisses. Que nous y arrivons à ce niveau-là. Tu vas aller quelque part. Le Saint-Esprit parle à ton responsable. Dieu de la chorale. Il dit, respond. Je ne veux pas qu'il aille à ce niveau-là. À cet endroit. Et le responsable t'appelle. Il dit, tu restes à la maison. Et sans beaucoup d'explications. Qui n'a même pas besoin de dire, le Saint-Esprit m'a dit, etc. Mais quand le responsable a dit, c'est de la parole de Dieu. Tu restes. Il y a quelqu'un qui dit obéissance. Obéissance. Alléluia. Dieu nous élève. 1, 2. Il nous donne un nom. Il donne ta famille un nom. Il donne un nom à tes études. Débordement. Emmanuel, Dieu n'a-t-il pas donné un nom? À tes études, à ta vie. Un nom nouveau. Désormais, tu t'appelles major des majors. Ça, c'est pas un nom nouveau. Que quelqu'un dise nom nouveau. Non. Seigneur, donne-moi un nom nouveau. Elle a un nom nouveau depuis la semaine passée. Appelez-la, s'il vous plaît, de son nom nouveau que la bouche de l'Éternel a déterminé. Major des majors. Maintenant, les jaloux vont maigrir. Oui. Les jaloux vont maigrir. Et désormais, nous t'appelons majeur des majeurs. C'est le nom nouveau que tu as eu. Je prie que tu reçois ce nom nouveau au nom de Jésus. Que la grâce quitte Emmanuel et s'attache à toi au nom de Jésus. Vous savez, la grâce de Dieu peut nous localiser partout où nous sommes. La grâce de Dieu est capable de nous localiser. Mais il y a une chose, la grâce de Dieu ne nous laisse jamais au même endroit. Elle n'a pas laissé Emmanuel au même endroit. La petite fille, Ivedraogo, qui veut dire d'ailleurs le dromadaire, ou je ne sais pas.
elle n'est pas restée au même endroit. Elle est passée de la petite Emmanuelle à major des majeurs. Major des majeurs. Alléluia. Alléluia. Et je prie que Dieu te donne à toi aussi un nom nouveau. Il a donné à Jésus un nom nouveau. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et là, j'ai dit, tout genou qui s'est fléchi devant le nom de Jésus fléchira aussi devant ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul commence à part en disant, ayez les sentiments qui étaient seulement en Jésus. Si vous avez les sentiments d'obéissance qui étaient en Jésus, les sentiments d'humilité qui étaient en Jésus, si vous avez les sentiments de reconnaissance qui était en Jésus. Oh, la reconnaissance. Si vous avez ce sentiment de reconnaissance qui était en Jésus, tout ce qui est dit, du verset 8 au verset 10 ou 11, va vous arriver. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Aucune partie du monde n'est épargnée. Même sous la terre, les démons qui opèrent sous la terre, ils t'obéiront. Les démons qui opèrent sur la terre, ils t'obéiront. Jésus est ressuscité. Même les morts qui étaient encore sous la terre, ce jour, ils sont sortis des tombeaux. Alléluia. Dieu me dit de te dire que c'est ce qui va t'arriver. Et si tu dis amen fort, cela je le vois venir vers toi. Et il est temps que cela nous arrive. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les représentants de Jésus. Nous sommes les Christ sur la terre. Alléluia. C'est cela que veut dire le nom chrétien. Le terme chrétien ne veut pas dire celui qui va à l'église. Le terme chrétien désigne celui qui ressemble à Jésus. Celui qui est comme Jésus, celui qui a les sentiments de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui emprunte le chemin de l'obéissance comme Jésus, celui qui s'arme d'obéissance, celui-là, il est chrétien. Toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire que Jésus est au-dessus de tout le monde. Les gens viendront vers toi pour te dire grand. Même des grands frères te diront grand. Quand tu n'as pas dit amen. Amen. Grand. Et ce sont un mot très chargé. Parce que vraiment, tu es un grand. Là, ils pensent à tous ces diplômes que tu as acquis. Ils vont te regarder, ils te disent grand. Là, ils pensent à tout jeune, mais à la responsabilité que tu occupes. Ils vont te regarder. Ils vont te dire, tu es trop puissant. Grand. Ah, je prie qu'on t'appelle grand. Grand, regarde ton voisin, appelle-le grand. Dis-lui grand. Ou grand âme. Grand âme. Appelle-lui grand. Vous savez, quand vous êtes assis avec les frères et les sœurs comme ça, il faut être gentil, hein. Qui c'est? Oh, on n'est pas au deuxième culte. Josis et Edwige ne sont pas là. Vous savez comment tout ça, tout a commencé, hein? Derrière là-bas, là. Josis, quand il venait à l'église, il aimait s'asseoir derrière. Et paraît-il, Edwige aussi venait, et bizarrement, elle s'asseyait à côté de Josis. Et quand le pasteur Félix presse, il dit, dis à ton voisin grand, dis à ton voisin, Dieu va te surprendre. Et elle se retournait vers Jo, elle dit, Dieu va te surprendre, avec le sourire comme ça. Mais elle a mis Jo au chaos. Dis à votre voisin, vous allez citer quelqu'un, dis à votre voisin et vous êtes là. Il y a des choses qui se passent ici. Hein, parce que le Saint-Esprit, il y avait un chaos, un vide, sans forme, mais le Saint-Esprit se mouvait.
Là-bas au fond, le Saint-Esprit est là-bas aussi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement ici. Même là-bas au fond, le Saint-Esprit est là-bas. Et il fait son travail. Même à la mezzanine, le Saint-Esprit fait son travail. Alléluia. C'est pourquoi soyez gentils. Soyez gentils. Vous ne savez pas qui est à côté de vous. Ça peut être le futur président d'un pays voisin. Hein? Je vous ai dit, la Centrafrique, on était avec le président de la République qui est Jack, à l'église d'Eliane. Alléluia, Jack. Donc, ceux qui s'asseyaient avec lui, là, qui discutaient avec lui. Mais aujourd'hui, ils vont à la présidence sans problème. Vous ne savez pas avec qui vous êtes assis ici. Parce que dans cette église de Bethel, n'importe qui n'est pas ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des grands qui sont ici. Parce que l'obéissance nous maintient dans la grandeur. Je suis en train de parler de l'obéissance qui nous maintient établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il ne suffit pas d'être établi. Mais il faut se maintenir. Tu dois te maintenir établi. Je dois me maintenir établi. Je ne descends pas. Je monte seulement. Dieu a empêché à Israël ne descendez pas en Égypte, mais montez à Jérusalem. Oui, on ne descend pas. 2019 va terminer bientôt dans une semaine, mais on ne descendra pas. Tu ne descendras pas. Tu vas continuer à monter de progrès en progrès, de gloire en gloire. Je ne descends pas. Oui, je resterai établi. L'établissement ne va pas périmer. C'est un produit qui ne va jamais périmer. Chez nous, ici à Bethel, dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, ici à l'église, dans les départements, l'établissement ne va jamais périmer. Je le déclare ce matin. C'est pourquoi je vous propose le médicament. Le médicament qui va conserver l'établissement. Le produit qui va conserver l'établissement. Ce produit s'appelle obéissance. Obéissance. Alléluia. Nous avons dit, l'obéissance est la clé pour un maintien durable dans l'établissement. L'obéissance est l'action d'obéir. On dit qu'une personne est obéissante lorsque, quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il le fait sans murmure. Il le fait sans hésitation. Il le fait sans problème. Elle se soumet, cette personne, est-ce bien à la volonté parfaite de Dieu. Elle n'opère pas dans la volonté permissive, mais elle opère dans la volonté parfaite, dans la volonté absolue de Dieu. Quand Dieu veut visiter un homme, une famille, une église, une nation, il existe une seule chose, obéissance. Lisez la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Chaque fois que Dieu a fait irruption dans la vie de quelqu'un, il demande une seule exigence, l'obéissance. Il l'a répété à Israël plusieurs fois. Seulement, obéis à ma parole. Obéis à ma parole. Et ce matin, Dieu veut faire des grandes choses dans votre vie. Et c'est pourquoi il parle encore de l'obéissance. Amen. Il exige l'obéissance. Quand tu désobéis, tu empêches Dieu de déclencher le processus de ton miracle, le processus de ta guérison, le processus de ton élévation. Mais quand tu lui obéis, tu déclenches, l'obéissance déclenche le processus de ton miracle, le processus de ton mariage, le processus de ton visa, le processus de tes enfants. Oui, quand tu obéis, Dieu déclenche à travers l'obéissance. C'est la clé qui ouvre la porte. Tu entres maintenant dans la chambre de ta destinée. C'est à quoi Dieu t'a destiné. Tu entres dedans. C'est une clé. Dis, la clé de ta destinée prophétique, c'est l'obéissance. Oui, c'est la clé de ton succès, c'est l'obéissance. Parce qu'un homme qui n'est pas obéissant ne va même pas prier. Vous savez, un homme désobéissant, il n'est pas un homme de prière. Il peut prier, hein, mais il ne peut pas être appelé homme de prière. On devient homme de prière lorsqu'on obéit au commandement du Seigneur qui nous dit « Priez sans cesse ». Là, on devient un grand homme de prière, une grande femme de prière. Parce que prier ne fait pas de vous un homme de prière.
Oui, comme chanteur, ne fais pas de vous, on chante. Moi, je chante, mais je ne suis pas un chanteur. Hein? Voilà. Prêcher, ne fait pas de vous un prédicateur. Un pasteur. Non. Alléluia. Et je prie Dieu qu'il vous accorde sa grâce de lui être obéissant. Car l'obéissance, c'est la clé du succès. La désobéissance vous ouvre les portes de l'échec à n'importe où et en tout temps. Regardez bien, les gens désobéissants, ils ne réussissent nulle part. Nulle part. Nulle part. C'est les mêmes choses. Tu es arrivé ici, on t'a dit Acha. Tu arrives dans une autre société, on te dit Acha. Tu arrives dans une église, on te dit Acha. Tu arrives dans un département, mais on te dit sors du département. Oui, parce que tu es désobéissant. Tu es encore dur, encore rebelle. Que Dieu nous en délivre. L'établissement, c'est la clé de l'établissement. L'obéissance, c'est la clé. La clé pour un maintien durable dans l'établissement. L'obéissance déclenche la puissance de Dieu sur ta vie. Et l'établissement, c'est l'action de se positionner. J'allais même dire de se repositionner. C'est-à-dire quand Dieu décide de vous mettre quelque part. Alléluia. Il vous établit là. Arrivez là, au point nommé. Là où Dieu avait prévu que vous y arriverez. Et ce qui est arrivé à beaucoup d'entre nous durant cette année. Et vous n'allez pas vous arrêter là. Parce que l'obéissance va vous ouvrir encore d'autres opportunités. Alléluia. Ton établissement, je vous dis à quelqu'un ce matin, ton obéissance ne va pas s'arrêter en 2000. Ton établissement ne va pas s'arrêter en 2019. Ton établissement ira au-delà de 2019. Ton établissement touchera tous les aspects de ta vie. Peut-être maintenant, ton établissement a touché seulement un aspect. L'aspect spirituel. Il y en a qui sont établis seulement sur le plan spirituel durant cette année. Mais Dieu me dit que l'établissement va toucher tous les autres aspects de ta vie. Jusque-là, l'établissement a touché ta vie spirituelle. Tu es devenu un homme de prière, assidu à l'église, correct, soumis. Mais il y a un domaine qui reste. L'établissement n'a pas encore touché tes études. Il y a là encore un problème. Mais Dieu me dit de te dire, Dieu me sache de te dire que l'établissement va toucher aussi tes études. L'établissement va toucher aussi ton boulot, ton travail. L'établissement va toucher tous les aspects de ta vie. Dieu m'a même dit que même financièrement, l'établissement va toucher le domaine financier. Oui, tu auras beaucoup d'argent. Vous savez, c'est rare que je parle d'argent dans l'église. Vous savez, non? Je peux faire un an. Je ne suis pas comme ces prédicateurs qui vous disent que vous recevez l'argent. Non, moi quand je le dis, c'est parce que c'est très sérieux. Quand je le dis, c'est parce que c'est très sérieux et que je l'ai reçu de Dieu. Quand je ne le reçois pas de Dieu, ce n'est pas de ma tradition de parler d'argent. Je parle des âmes. Je préfère avoir des âmes que d'avoir l'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu m'a chargé de vous dire et sans vous flatter. Car je ne suis pas de manière à flatter les gens. Au contraire, on dit que je gronde les gens. Je ne flatte pas les gens. Mais là, Dieu me dit qu'il va vous établir sur le plan financier. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Et s'il ne m'avait pas dit ça, je ne vais pas vous le dire. Oui, et beaucoup de gens vont venir témoigner ici. Vous allez venir témoigner. Le pasteur avait dit que l'établissement va toucher mon domaine financier. L'établissement va toucher mes affaires. Et l'établissement, effectivement, a touché mes affaires, mes économies. J'étais endetté. Aujourd'hui, je ne dois plus à personne. Oui, tu vas témoigner ça. Tu vas témoigner ça. Tu vas témoigner ça. Tu vas le témoigner. Tu sauras que Dieu ne parle pas en vain. Oui. Tu comprendras que quand Dieu parle, il y a une raison pour laquelle il parle. Et il y a beaucoup d'entre vous aussi. Dieu va le faire. Vous n'allez pas témoigner parce que vous allez croire que ce sont vos mains qui ont acquis ces choses. Et en ce moment, l'établissement connaîtra une grande difficulté. C'est pourquoi ce matin, je me dis, parle-le de l'obéissance. Parce que quand je les aurai établis dans tous les secteurs, quand l'établissement aura touché tous les domaines de leur vie, il faudrait qu'ils se souviennent de moi, qu'ils se souviennent de ce message qui a été donné en ce dimanche-là, à une semaine avant la fin de la saison de l'établissement. À une semaine de la fin de la saison de l'établissement, j'ai parlé à mon peuple. Qu'ils se souviennent de cela.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes établis, frère, selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu es établi selon l'ordre de Melchisédek. Parce que notre sacrificature là ne dépend pas du fait que nous soyons de la tribu de Lévi ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Il était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce qu'on est d'accord? Selon l'hébreu. Pourtant, pour être sacrificateur, il faut appartenir à la tribu de Lévi. Jésus était de la tribu de Judas. Mais Dieu, il a des exceptions. Et je prie ce matin que tu sois une exception. Dans ta famille, dans tes études, dans cette même église, tu deviens une exception. Vous savez, tous les rois devaient provenir de la tribu de Judas. Cependant, le premier roi d'Israël est venu de la tribu de Benjamin. Il n'était pas de la tribu de Judas. Il était une exception. Je prie que l'onction de devenir une exception pour ta génération devienne maintenant au nom de Jésus. Dis à ton voisin, comme tel que tu me vois comme ça, je suis une exception. Hein? Je suis une exception. Ne me mets pas dans le groupe de tout le monde. Je ne suis pas dans l'assemblée de tout le monde. Je ne suis pas dans l'association de tout le monde. Je ne suis pas dans le département de tout le monde. Je ne suis pas en train de marcher avec tout le monde. Je suis une exception. Yes, je suis une exception. Pour ma famille, je suis une exception. Oui, pour les gens de ma génération, une exception. Le regard de Dieu est sur ma vie. Il y a un regard particulier sur ma vie. Bethel, tu es une exception. Il ne m'arrive jamais un seul instant de vouloir faire comme toutes les églises à Dakar. Je refuse le conformisme au nom de Jésus. Dieu nous demande à être particulier. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est avec toi il veut le faire. Un point final. Tu es établi selon l'ordre de Melchisédek. Ta sacrificature ne dépend pas de tes origines. C'est pourquoi, quel que soit d'où tu viens, Dieu peut t'utiliser. Ton succès ne dépendra pas de ta famille qui est riche ou pauvre, qui est grande ou ne pas grande. Non, ton établissement ne dépendra pas de cela. Ton établissement dépendra de la souveraineté de Dieu. Il a été souverainement élevé. Est-ce que quelqu'un croit que son succès dépendra de son... Hein? Est-ce que quelqu'un croit que son élévation dépend de la souveraineté de Dieu? C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Ça ne dépend pas du sang qui coule. Ça ne dépend pas de ton nom de famille, de ton village d'origine. Non. J'ai l'habitude de le dire et avec fierté. Maintenant, je ne peux plus le dire parce qu'il y a l'eau, il y a l'électricité. Mon village est devenu très moderne, etc. Mais quand je recevais Jésus, j'habitais un village, un petit village sans eau ni électricité. J'ai fait le tour du monde entier. Hein? Est-ce que le succès dépend des origines? Tant pis d'où tu viens. C'est là où tu vas qui est important. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où tu vas. C'est ta destinée. Parce qu'à ta naissance là, c'est pas toi qui as décidé de naître d'une telle ou telle famille, dans tel pays. À certains d'entre vous, si on allait le demander là, où est-ce qu'ils voudraient naître là? Ils vont demander dans les rues de Washington. Malheureusement, je vous informe, dans les rues de Washington. On a une Américaine là, même elle n'est pas née dans une rue. Elle m'a dit qu'elle habite un petit village aux États-Unis. C'est ça non que tu m'as dit? Un petit village. Combien de personnes? Même pas beaucoup. Mais regarde, elle est là aujourd'hui, elle fait le monde entier. Dieu n'a pas choisi des gens de Washington, de New York, de Chicago. Dieu a choisi une fille qui vient d'un petit village aux États-Unis. Et aujourd'hui, il a mis le mandat, l'onction, pour parcourir les nations, annoncer l'évangile. Dis à quelqu'un, Dieu est souverain. Tes origines importent peu. Maintenant, les gens qui sont charnels, ils vont dire, moi je suis né d'une famille importante. Dieu s'en fout de ta famille importante. Je suis un citadin. Dieu s'en fout. Jésus était ton villageois. Et il était fier d'être villageois. Mon Seigneur était un villageois.
Nazareth, petit village de la Galilée. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Oui, une exception. Oui, monsieur. Quelque chose de bon ne pouvait pas venir de Nazareth. Mais là, là, cette fois-ci, quelque chose de bon, d'excellent, d'extraordinaire, de miraculeux est sorti. Oui. Est sorti de Nazareth. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Et pendant que je parle, tu peux te mettre debout. Que quelque chose de bon sortira de moi. Votre petit, à partir de ce jour, quelque chose de bon sortira de moi. Quelque chose de bon sortira de ma famille. Quelque chose de bon sortira de mes études. Quelque chose de bon sortira de ma nation. Quelque chose de bon sortira de l'Afrique. Quelque chose de bon sortira du Sénégal. Quelque chose de bon sortira de mes enfants. Quelque chose de bon. Oui, quelque chose de bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Levez les mains. Commencez à prier.